Moi, c'est les amis, mais c'est avec un peu plaisir que nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est mardi 25 janvier, pour nous capables poursuivre avec études leçons. École, ça va pour semaine. Hein? Et pas oublier semaine ça, nous avons une cinquième leçon qui vient comme thème Jésus, celui qui donne le repos. Et je dis à nous parler ensemble partie leçon qui est titrée aujourd'hui, si vous entendez sa voix aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, c'est parti les sons que nous parlons ensemble aujourd'hui. Mais avant même que nous entrions là-dedans, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour ce que vous faites pour nous. Et pour ça, vous comptez réaliser encore dans la vie. Nous merci parce que chaque jour, eh bien, vous faites plein pour capable nourrir nous à travers parole. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nourriture spirituelle soit capable d'aider nous à rester en bonne santé. Et comme ça, nous sommes capables de servir et servir jusque dans l'éternité. Fais-nous du bien qu'il soit attention au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais pour une autre fois, pendant une semaine, mes amis, me remercier, féliciter, encourager et fort que vous consentiez chaque jour pour capable étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois, ou même au fin d'étudier, moi, encourager pour capable partager les leçons avec une autre et comme ça, plus monde capable arriver étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, moi, encourager à faire ça et encourager l'autre monde tout fait, même gens ensemble avec vous. Jean qui nous dit, semaine là, et Jean qui vous connaît, nous avons la cinquième leçon, c'est-à-dire nous avons la cinquième semaine. Et le thème leçon semaine, c'est Jésus, celui qui donne le repos. Verset à mémoriser, c'est Deutéronome chapitre 10, verset 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est verset ça nous guère pendant toute semaine pour que nous capables mémoriser. Et je dis à qui c'est mardi 25 janvier, nous parlons ensemble partie de leçon qui est titrée aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Je dis à si nous entendez voix. Et leçon et thème, je dis à, il coïncide avec partie de leçon qui était ouais dans le jour passé. Par exemple, dimanche, je te ouais, le pays comme lieu de repos, bon, je te promets la baie, puis ça, et là, un canarin, il y a une terre pour qu'il soit capable en paix, pour capable reposer. Yo. Mais nous t'avons hier et à cause de l'incrédulité, ils n'ont pas rentré, c'est-à-dire ils n'ont pas gagné la foi dans bon Dieu. Mais bon Dieu fait un appel, je dis à, eh bien, si nous t'en dévoile, si nous t'en dévoile, je dis à, eh bien, bon Dieu m'a dit pour que nous pas faire rebelle, pour que nous fassions confiance, pour que nous marchions ensemble avec lui, pour nous obéir ensemble avec, je dis à, c'est que vraiment ensemble avec vous, nous t'en dé, eh bien, et voile. C'est ça que nous parlons ensemble, je dis à. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 4. Nous allons lire dans verset 6 pour nous venir dans verset 11. Nous allons lire quelle invitation que bon Dieu fait nous en d'un passage ça. Et c'est Hébreux chapitre 4, verset 6 pour nous venir dans verset 11. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Génération, eh bien, qui était dans le désert là, ils ont échoué raison simple parce qu'ils n'ont pas entré dans le repos que bon Dieu te promet de tabac. Mais ça n'a pas découragé bon Dieu. Bon Dieu toujours travaille avec peuple. Bon Dieu était fidèle malgré infidélité peuple là. Et bien comme ça nous Paul répété à plusieurs reprises promesse bon Dieu a est toujours là. C'est-à-dire promesse que bon Dieu t'a fait promesse là bas peuple à repos, et bien il est toujours là. Et bien nous Paul employé deux verbes grecs qui c'est kata et leipo et apo leipo qui impliquait que promesse a il t'a laissé de côté ou bien promesse a t'a ignoré, bon Dieu t'a ignoré promesse là. C'est dans ça dont Paul t'a voulu venir parler pour nous là. Mais le fait que invitation entre dans le repos à lui répéter dans temps David, eh bien ça impliquait que promesse là il était toujours là, promesse a était toujours disponible. En fait,
Et il t'a fait comprendre que le repos est disponible depuis l'époque de la création. C'est ça, l'apôtre Paul vient faire nous comprendre plus tard dans Hébreux chapitre 4, verset 3. Mais bon Dieu, entre-temps, il invite nous aujourd'hui pour nous entrer dans le repos. Aujourd'hui, c'est un concept qui est riche de sens. Nous parlons de aujourd'hui ou bien aujourd'hui, c'est un concept qui est riche de sens. Quand Moïse t'a renouvelé alliance Israël, peuple Israël là avec bon Dieu lorsque tu sous frontière pour entrer dans terre que bon Dieu et ben lui-même t'a baillé là, nous il était souligné importance de mot ça qui c'est aujourd'hui ou bien en créole aujourd'hui. Il était metté accent et bien sous mot ça. Et bien aujourd'hui, c'était un moment d'introspection, c'est-à-dire pour analyser pour vie nous. Et bien Moïse t'a invité peuple là et bien à reconnaître que bon Dieu t'es fidèle envers eux. Que bon Dieu t'est fidèle envers la promesse qu'il t'a faite. Et je dis, il y a même également, vous devez décider pour qu'il soit capable d'être fidèle ensemble avec bon Dieu. Et bien, décision ça, c'est pas une décision pour vous remettre à plus tard. C'est pas une décision pour demain si Dieu veut, une décision pour 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans après. Mais c'est une décision que vous devez prendre, je dis, c'est-à-dire maintenant, qu'il y a même, et bien, vous devez prendre une décision ça. Et bien, de même, je dis, c'est un temps de décision pour nous-mêmes, un temps de possibilités et un temps de danger, comme ça c'est toujours dans le passé pour le peuple de Dieu. Eh bien, dans l'Épître aux Hébreux, nation, hein, je dis, et le nom est Moussa, c'est pas nation, c'est plutôt notion, ça, thème, ça, et qui c'est aujourd'hui. Les bails ont sens de réalisation de promesses bon Dieu, c'est-à-dire. Nous devons nous comprendre, eh bien, c'est un moment que bon Dieu lui-même lui réalise la promesse. Lui. Eh bien, nous, bon Dieu inaugure le moment ça avec décret ça, lorsqu'il déclarait, c'est moi-même qui t'ai engendré ou je dis. C'est-à-dire, c'est bon Dieu qui t'ai installé Jésus comme étant chef. Et c'est bon Dieu qui t'ai accompli la promesse, eh bien, il t'ai fait. Yo. Bon Dieu l'a installé Jésus comme chef, c'est-à-dire, il a accompli. Promesse que lui-même lui t'a fait. Et bien comme ça, et bien Jésus en tant que roi, lui inaugure une nouvelle ère de bénédiction et de possibilités pour nous-mêmes. Jésus remportait la victoire sur l'ennemi et Jésus inaugure une nouvelle alliance. Et bien comme ça, nous capables approcher nous avec assurance dans la présence de bon Dieu grâce avec ça Jésus lui-même lui fait pour nous. Et nous capables de réjouir nous devant bon Dieu avec des sacrifices spirituels d'action de grâce et de louange. C'est-à-dire, nous capables de présenter des jodia devant bon Dieu. Appel la li lancé, jodia, eh bien, bon Dieu, invitez-nous à reconnaître que li rete fidèle. Et que li ba nous toute raison pour nous capables d'accepter l'invitation li immédiatement et sans délai. C'est-à-dire, bon Dieu est fidèle, tout ça il dit à pas accompli. Moi-même ça avec aujourd'hui, nous devons faire bon Dieu sa confiance, c'est-à-dire nous-mêmes tout. Bon Dieu invitez-nous pour que nous capables et ben accepter invitation qu'il fait nous. Pour que nous capables rentrer dans le repos là, pour que nous capables obéir ensemble avec lui parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Et ben qui décision spirituelle que ou même ou doit prendre aujourd'hui, c'est-à-dire qui décision doit prendre pour vie spirituelle ou jodia. Et c'est-à-dire sans que ou pas remettre à plus tard, c'est-à-dire sans que ou pas fixer une autre date, qui décision que ou doit prendre jodia pour vie spirituelle ou sans que ou pas mettre décision ça yo pour une autre date. Et dans expérience tout que ou fait, dans expérience passée que ou fait ensemble avec bon Dieu, ben et comment ou ça y est lorsque ou même décision que ou t'a de prendre jodia ou mettez pour une autre date. Comment ou ça y est lorsque ou même décision que ou t'a de prendre jodi a ou metel pour une autre date. Et bien c'était réflexion pour jodi a. Et bien nous ouais partie leçon jodi a, et bien li montrer nous lorsque nous t'en devoir bon Dieu, et bien faut que nous obéir. Et gen plusieurs raisons pour que nous capable obéir ensemble avec bon Dieu, pour que nous capable croire dans parole li, parce que tout ça bon Dieu dit li fait. C'est-à-dire gen pile raison moi ensemble avec aujourd'hui a pour nous croire dans bon Dieu ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'était partie leçon ça qu'il d'après ensemble. Eh bien, et pour journée jeudi à qui c'est mardi 25 janvier. Bien avant même que nous allions, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole.
Aidez-nous pour que nous capables faire confiance, pour que nous prenions décision que nous prenons pour vie spirituelle nous aujourd'hui et pour nous faire confiance en toutes circonstances parce que vous êtes fidèles et nous-mêmes tout pour que nous capables d'être fidèles ensemble avec vous. Faites grâce, dirigez-nous, sauvez-nous, nous prions concernant nos Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.